La parole qui donne la vie éternelle. Marie et Joseph doivent se faire recenser. Je revois la maison de Nazareth, la petite pièce où Marie se tient d'habitude pour ses repas. En ce moment, elle travaille à un ouvrage de toile blanche. Elle le pose pour allumer une lampe car le soir descend et la lumière verdâtre qui pénètre par la porte entrouverte ne lui permet plus de voir clair. Elle la ferme. Je m'aperçois que sa grossesse est bien avancée désormais, mais elle reste très belle. Sa démarche est toujours svelte et chaque geste plein de grâce. Elle n'a rien de cette lourdeur que l'on voit chez les femmes qui vont bientôt mettre un enfant au monde. Son visage seul a changé. Maintenant, c'est une femme. Avant, à l'époque de l'Annonciation, c'était une toute jeune fille au visage serein et ignorant de tout. Un visage d'enfant. Plus tard, chez Élisabeth, au moment de la naissance de Jean-Baptiste, ses traits s'étaient déjà affinés et avaient pris un air de maturité gracieuse. Aujourd'hui, c'est le visage paisible, mais empreint d'une douce majesté de la femme qui, par sa maternité, a atteint sa pleine perfection. Maintenant, son visage s'est allongé et amaigri, son regard est plus pensif et ses yeux plus grands. En somme, Marie est telle qu'elle est aujourd'hui au ciel, car elle a repris désormais l'aspect et l'âge qu'elle avait au moment de la naissance du Sauveur. Elle a l'éternelle jeunesse de qui n'a pas connu non seulement la corruption de la mort, mais même la flétrissure des ans. Le temps ne l'a pas atteinte, notre reine et mère du Seigneur qui a créé le temps. Et si les tourments de l'époque de la Passion, tourments qui pour elle avaient commencé bien plus tôt, je pourrais même dire dès que Jésus a entrepris son œuvre d'évangélisation, l'ont fait paraître vieilli, ce n'était qu'un voile posé par la souffrance sur son être incorruptible. En effet, il lui a suffi de revoir Jésus ressuscité pour redevenir la femme fraîche et parfaite qu'elle était avant ses tourments. C'était comme si, en embrassant les saintes plaies, elle avait bu un baume de jeunesse qui efface l'œuvre du temps, et plus encore que le temps, celui de la souffrance. Voici 8 jours, en effet, lorsque j'ai vu la descente de l'Esprit-Saint le jour de la Pentecôte, j'ai vu Marie, belle, belle, belle et soudainement rajeunie, comme je l'écrivais. Et j'avais écrit auparavant, « Elle ressemble à un ange bleu. Les anges ne connaissent pas la vieillesse. » Ils sont éternellement beaux, d'une éternelle jeunesse, de l'éternel présent de Dieu qu'ils reflètent. C'est maintenant que la jeunesse angélique de Marie, cet ange bleu, finit de s'épanouir et atteint l'âge parfait qu'elle a gardé aux cieux et que son corps saint et glorifié gardera éternellement lorsque l'Esprit donne sa bague à son épouse et la couronne aux yeux de tous, et non plus dans le secret d'une pièce inconnue du monde, avec un archange pour seul témoin. J'ai tenu à faire cette digression car elle me paraissait nécessaire. Je reviens maintenant à ma description. Marie est donc devenue la femme, accomplie, pleine de dignité et de grâce. Son sourire lui-même s'est épanoui en douceur et en majesté. Comme elle est belle! Joseph entre. J'ai l'impression qu'il revient du village, parce qu'il entre par la porte extérieure et non par celle de l'atelier. Marie lève la tête et lui sourit. Joseph lui rend son sourire. Mais il me semble se forcer un peu, comme s'il était préoccupé. Marie l'observe d'un air interrogateur, puis elle se lève pour prendre le manteau que Joseph est en train d'enlever et le met sur un coffre. Joseph s'assied près de la table. Il y pose un coude, la tête sur une main pendant que de l'autre, il se tripote la barbe d'un air soucieux. Marie demande « As-tu quelque chose qui t'ennuie? Est-ce que je peux te consoler ?»« Tu es toujours ma consolation, Marie, mais cette fois-ci j'ai un gros souci pour toi. »« Pour moi, Joseph ?» De quoi s'agit-il donc? On a affiché un édit sur la porte de la synagogue. C'est un ordre de recensement de tous les Palestiniens. Il faut aller se faire inscrire à son lieu d'origine. Il va nous falloir nous rendre à Bethléem. Oh! L'interrompt Marie en posant une main sur son ventre. Cela te bouleverse, n'est-ce pas? C'est pénible, je le sais. Non, Joseph, ce n'est pas cela. Je pense à l'Écriture sainte. Rachel, mère de Benjamin et femme de Jacob, dont doit naître l'étoile, le Sauveur. Rachel ensevelie à Bethléem dont il est dit « Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que naîtra celui qui doit régner sur Israël. Celui qui doit régner sur Israël a été promis à la descendance de David. Il naîtra là-bas. » Crois-tu? Crois-tu que le moment est déjà venu? Oh, comment allons-nous faire? Joseph est complètement désemparé. Il porte sur Marie un regard de pitié. Elle s'en aperçoit et sourit. En fait, elle se sourit à elle-même plutôt qu'à lui. C'est un sourire qui semble vouloir dire
C'est un homme injuste, mais un homme. Il voit les choses en homme, il pense en homme. Aie pitié de lui, mon âme, et amène-le à considérer les choses d'un point de vue spirituel. Mais sa bonté la pousse à le rassurer. Elle ne ment pas, mais elle dissipe sa préoccupation. Je ne sais pas, Joseph. C'est pour très bientôt. Mais le Seigneur ne pourrait-il pas repousser ce moment pour t'enlever ce souci? Il peut tout. Ne crains rien. Mais le voyage et la foule, trouverons-nous de quoi nous loger convenablement? Aurons-nous le temps de revenir? Et si tu dois être mère là-bas, comment ferons-nous? Nous n'y avons pas de maison. Nous n'y connaissons plus personne. N'aie pas peur. Tout se passera bien. Dieu fait trouver un refuge à l'animal qui doit avoir son petit. Voudrais-tu qu'il n'en fasse pas autant pour son Messie? Faisons-lui confiance, n'est-ce pas? Faisons-lui toujours confiance. Plus l'épreuve est forte, plus nous devons lui faire confiance. Comme deux enfants, mettons notre main dans celle du Père. C'est lui qui nous guide. Soyons-lui tout abandonnés. Vois avec quel amour il nous a conduits jusqu'ici. Le meilleur des pères ne pourrait y mettre autant d'attention. Nous sommes ses enfants et ses serviteurs. Faisons sa volonté. Rien de mal ne peut nous arriver. Cet édit lui-même est Dieu sa volonté. Qu'est-ce donc que César, sinon un instrument de Dieu? Depuis que le Père a décidé de pardonner à l'homme, il a d'avance préparé les événements de manière à ce que son Christ naisse à Bethléem. Cette ville, la plus petite de Juda, n'existait pas encore que déjà sa gloire était annoncée. Il fallait que cette gloire se manifeste et que la parole de Dieu ne soit pas démentie. Elle le serait si le Messie naissait ailleurs. C'est alors qu'un puissant est apparu très loin d'ici. Il nous a conquis, et voilà qu'il désire connaître ses sujets en ce moment précis, alors que le monde est en paix. Ah, qu'est-ce que notre petit effort si l'on pense à la beauté de cet instant de paix. Réfléchis, Joseph, une époque où il n'y a pas de haine dans le monde. Mais peut-il se trouver meilleur moment pour que se lève l'étoile, dont la lumière est divine et l'influence rédemption? Oh, ne crains rien, Joseph. Si les routes ne sont pas sûres, si la foule rend notre voyage difficile, les anges nous serviront de défense et d'escorte. Non pas à nous d'ailleurs, mais à leur roi. Si nous ne trouvons pas d'asile, ils nous abriteront sous leurs ailes. Il ne nous arrivera rien de mal. Rien ne peut nous arriver. Dieu est avec nous. Tout heureux, Joseph la regarde et l'écoute. Les rides de son front s'effacent, son sourire revient. Il se lève sans plus montrer ni fatigue ni peine. Il sourit. Bienheureuse es-tu, soleil de mon âme. Bienheureuse es-tu, toi qui sais tout voir à la lumière de la grâce dont tu es comblé. Ne perdons donc pas de temps. Il nous faut partir au plus vite et revenir le plus tôt possible aussi. Car tout est prêt ici pour le... Pour notre fils, Joseph. Il doit passer pour cela aux yeux du monde, souviens-t'en. Le Père a entouré sa venue de mystère et il ne nous appartient pas de le dévoiler. C'est lui, Jésus, qui le fera quand l'heure sera venue. Impossible de décrire la beauté du visage de Marie, de son regard, de son expression, de sa voix quand elle dit « Jésus ». C'est déjà l'extase et la vision s'achève sur cette extase. La Vierge Marie nous enseigne à présent. Je n'ajouterai pas grand-chose parce que mes paroles sont déjà tout un enseignement. J'attire néanmoins l'attention des épouses sur un point. Un trop grand nombre d'unions se disloquent par la faute des femmes qui n'ont pas cet amour qui est tout. Gentillesse, pitié, réconfort pour leur mari. La souffrance physique pèse lourdement sur la femme et pas sur son mari. Mais sur lui pèsent toutes les préoccupations morales. Nécessité du travail, décision à prendre, responsabilité devant les pouvoirs constitués et devant sa propre famille. Ah ! Que de choses pèsent sur l'homme, et comme il a lui aussi besoin de réconfort. Eh bien, l'égoïsme est tel que la femme ajoute à son mari fatigué, découragé, abattu, soucieux, le poids de ses plaintes inutiles et parfois injustes. Tout cela parce qu'elle est égoïste. Elle n'aime pas. Aimer, ce n'est pas rechercher sa propre satisfaction sensible ou intéressée. Aimer, c'est satisfaire celui qu'on aime en dépassant sa propre sensibilité ou son intérêt particulier. C'est fournir à son âme l'aide dont il a besoin pour pouvoir garder ses ailes ouvertes dans les cieux de l'espérance et de la paix. Mais il y a un autre point sur lequel j'attire votre attention. J'en ai déjà parlé, mais j'insiste. Il s'agit de la confiance en Dieu. La confiance résume les vertus théologales.
Être confiant sous-entend qu'on a la foi. C'est le signe qu'on espère. C'est aussi faire preuve d'amour. Quand on aime une personne, quand on espère et qu'on croit en elle, c'est qu'on a confiance. Sinon, c'est impossible. Dieu mérite notre confiance. Si nous l'accordons à de pauvres humains qui risquent de ne pas y répondre, pourquoi la refuser à Dieu qui y répond toujours ? La confiance est aussi humilité. L'orgueilleux prétend « Je me suis fié à moi-même, je n'ai aucune confiance en l'autre parce que c'est un incapable, un menteur, un prétentieux. » Mais l'humble dit « Je fais confiance, pourquoi ne le devrais-je pas ? Pourquoi devrais-je penser que je suis meilleur que lui ?» Il a donc d'autant plus de raisons de dire à Dieu « Pourquoi me défier de celui qui est bon ? Pourquoi penser que je suis capable d'agir par moi-même ?» Dieu se donne à l'humble, mais il s'éloigne de l'orgueilleux. La confiance est encore obéissance. Or Dieu aime l'obéissant. L'obéissance est le signe que nous nous reconnaissons pour ses fils et que nous reconnaissons Dieu pour notre Père. Et un vrai Père ne peut qu'aimer. Dieu est pour nous un vrai Père et un Père parfait. Troisième point que j'offre à votre méditation. Il se base toujours sur la confiance. Aucun événement ne peut survenir sans la permission de Dieu. Es-tu puissant ? Tu l'es parce que Dieu l'a permis. Es-tu soumis à l'autorité ? C'est parce que Dieu l'a permis. Essaye donc, toi, le puissant, de ne pas te servir de ta puissance pour le mal. Ce serait toujours ton mal, même si au début, il paraît être le mal des autres. Car si Dieu permet, il ne permet pas tout pour autant, et si tu dépasses les bornes, il te frappe et te brise. Quant à toi, qui es soumis, essaye de faire de ta condition un aimant qui attire sur toi la protection céleste. Et ne maudis jamais, laisse ce soin à Dieu. C'est à lui, le Seigneur de tous, qu'il revient de bénir et de maudire ses créatures. Va en paix.